Nous sommes le mardi 28, journée internationale d'action pour la santé des femmes. Cool. Demain, mercredi 29, châssis. Oh, châssis, merde. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Oh tiens, ceux-là encore à refaire tant que j'y suis. Alors, on est en face de mon bureau. Certains ont déjà vu mon bureau. Bureau que voici. Je fais vite un survol. Hein. Voilà. Alors, pourquoi on merde les châssis? Ben voilà. Demain, en date du 29, on vient changer tous les châssis de la façade de la maison. Ben, génial! Mais il faut changer celui-ci également. Et ceux qui sont dans l'informatique vont comprendre, vont me comprendre et vont comprendre que pour moi, demain, c'est une journée noire. C'est une journée noire parce que là, je vais devoir prendre toutes les précautions nécessaires pour que mes appareils ne subissent pas de dégâts et ne prennent pas trop la poussière. Alors ceux qui ne sont pas dans l'informatique disent bah, « Quoi ? Et quoi ? Je vois pas où est le rapport. Hein ? Tu vois pas où est le rapport ?» Ben, moi, je vois bien où est le rapport, ne te tracasse pas. Puis quand je leur explique un peu, quoi ? Tu prends et tu pousses un petit peu. Oui, oui, sûrement. Sûrement. Bon, allez, ceux qui ont compris, souhaitez-moi bonne chance. Alors, si jamais vous ne voyez pas des vidéos arriver dans les jours à venir, ben, vous savez pourquoi. Hein. Ok, le temps que je remette tout en place, je vais pas enlever tout, hein, je sais pas, je vais voir comment je vais faire, mais bon, le temps que je reconnecte tout, il n'y aura pas de vidéo pendant quelques jours, je pense. Voilà, j'ai déjà commencé un peu. Oui, j'oubliais. Et également, si dans les jours à venir, l'accès au serveur FTP, donc je parle de blabla Linux, blabla Windows, ne se fait pas, ou l'accès au cloud, OneCloud, ou encore l'accès à mon site web secondaire ne se fait pas, DocuWiki, on s'en fout, il n'y a rien, ben voilà, ce sera parce que je vais devoir déconnecter pas mal de câbles. Je préfère prévenir que guérir, donc voilà, allez, courage, courage. Voilà, perso, je ne saurais pas faire mieux, parce que ça se passe demain matin. J'ai rassemblé toutes les tours ici. Alors, j'ai essayé de décâbler un maximum, il n'y a plus de câbles. Alors, cette table-ci, je vais essayer de la déplacer en même temps que ça, pour ne surtout pas déconnecter tout ce qui est les RJ45. Tout laisser plugué. Ouais, tout laisser plugger comme ça, c'est le but. Hein. Ouais, essayer de dépluguer un minimum. Comme ça, toute cette table-ci va glisser là. Cette table-ci là. Comme ça, tout ça est libéré. Et alors après, on va couvrir on va couvrir tout. Tout avec des draps. L'ensemble sera couvert avec des draps. Ouais. Maintenant, si ce sont des ouvriers consciencieux, il ne devrait pas y avoir grand-chose comme poussière. Ben, de la poussière un peu là, c'est normal. Mais il ne devrait pas faire tout blanc dans la pièce. S'il fait tout blanc dans la pièce, il y a un fameux souci au niveau professionnalisme. Allez, à plus. Eh bien, voilà, je ne saurais pas faire mieux. J'ai essayé de couvrir au maximum. Au maximum, à part là, je n'ai pas su couvrir, sinon tout est couvert, il y a juste là-bas, là, les deux switches là qui sont apparents, la box là-bas, surtout pas la couvrir, elle est déjà bouillante en temps normal, alors si je la couvre, c'est risqué d'avoir le feu, sinon tout est couvert. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors certains, les gens qui sont pas là-dedans, vont dire, il est fou, il exagère.
Mais je peux vous dire que l'ennemi numéro un de matériel informatique, c'est la poussière. Voilà. Alors même là, c'est couvert. Voilà. Je pense bien à après tout remettre. Le temps que ça va me prendre. Wow. Tout ce que j'ai décablé, qu'il va falloir recâbler. J'ai pris une photo de tout ce qui était... Enfin, de comment c'était avant. Pour que... me prenne le moins de temps possible après, et surtout que tout refonctionne après du premier coup. Voilà, ben c'est ça. Alors ça me fait toujours, enfin ça me fait rire quand je vois certaines personnes. Voilà mon setup: un écran, un clavier, une souris, une tour. Yeah, c'est cool. Ça, ça va vite, ça te prendra 30 secondes. Quand on a un setup, c'est même pas setup, c'est une pièce complète. Et ben voilà, ben on pleure quand il y a des travaux dans la pièce. Hein. Voilà. Châssis de merde. Allez, ciao, ciao.